Il a tué Mississippi! Mississippi! Bitch! Bitch! Imbécile, va! Throw that ass back. Y'a Penny? Allez, Onika! Yes! Onika, là, mec! À la couche, Onika, à la couche! Onika, à la couche! Mississippi! Oui, je le veux, Diego! Ok, Onika, elle est mariée! Mais pourquoi tu tapes ta mère? Non seulement il trompe Onika dans sa maison, mais il trompe Onika avec un homme. C'est fini entre nous! Mississippi! Allez, là, comme j'étais! Ils sont en couple! Ne t'approche pas de moi, espèce d'ordure violente! Mais non! C'est ta fille quand même! Tasha, elle est enceinte de qui? Oh, quel fantôme de Mississippi! Mississippi est de retour! Elle est enceinte! Mississippi est enceinte! Oh, elle a accouché! On va voir si c'est le père ou pas. Let's get it poppin'! Ouais, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle saison des Sims du Ghetto Innocent. Vous m'avez harcelé, vous m'avez insulté, la saison est là. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 et surtout le dernier épisode de la saison 1, allez le voir en fait. Commence pas à m'énerver en fait, commence pas, va le voir en fait. Mais du coup, pour ceux qui ont vu la saison 1, vous avez vu qu'on a terminé avec la grossesse surprise de Mississippi, cette coquine, et le fait qu'on sait pas si Taiga est père ou pas, ok? Donc on va voir ça maintenant, right now, bitches. Mais avant qu'on passe à l'épisode, abonnez-vous à la chaîne, ok? Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous sur Amazon, abonnez-vous sur Tigre. Et c'est parti pour le premier épisode de la saison 2 des Sims du Ghetto. Ok, donc du coup, on s'était arrêté avec Taiga qui est parti voir Tasha pour voir si elle a couché. Et finalement, elle a bien couché cette coquine. Voilà, son enfant est là. Il est où son enfant? Ah oui, il est là, ok. Et du coup, on va voir si Taiga est l'enfant, est le père de l'enfant, quoi. Ok, donc on va aller voir son arbre généalogique. Vous êtes prêts? J'ai peur. 1, 2, 3. Ok, il n'est pas père. Notre enfant est toujours un enfant. On l'a échappé belle. Hein. Par contre, mais du coup, ça veut dire que c'est vraiment une chouin en fait, cette fille. Parce que Taiga est amoureux d'elle en fait. Et elle, elle est partie se faire engrosser, je sais pas où. Bitch, you are hoe. Franchement, Taiga la calapa. Parce que elle te mérite pas en fait. Elle te mérite pas. Son botcha là. Bref, et c'est quoi? C'est pas mon gosse, on rentre en fait. Parce que je te rappelle que Mississippi, ta soeur, est pregnant. Ok, Taiga, il est rentré. Attends, on va voir Mississippi, elle fait quoi, cette coquine là? Mais elle est enceinte, cette fille. Mais attends, mais en fait, moi je suis désolé, mais elle peut pas garder le bébé en fait. Enfin, il est hors de question, genre, wesh, elle a 17 ans en fait. On va voir si elle peut l'annoncer à sa mère. Parce que sa mère, elle le sait pas en fait. Onika, va aux toilettes. Et quand t'as fini, on va voir si ta fille peut t'annoncer un truc. J'espère que tu vas bien réagir parce que voilà quoi. T'as tendance à un peu être chaude, ok? Donc on va voir ce qui va se passer. On va voir si c'est un truc pour annoncer la grossesse. Ok, là il y a un truc qui s'appelle partager la grande nouvelle. On va voir du coup si sa mère a réagi bien à sa grossesse, d'accord? Donc va dire, maman, I'm pregnant, ok? Mississippi, vas-y, sois courageuse. N'aie pas peur de ta mère, c'est quand même ta momie en fait. Ta mère veut te protéger, donc va le dire à ta mère. Maman, attends, parce que voilà, on se met là, on va bien voir. Attends, j'ai peur. Maman, je suis enceinte. Elle lui a crié dessus et maintenant elle pleure. Attendez, teenage child pregnant. En fait là, en gros, on me laisse le choix si Onika elle réagit bien et elle supporte sa fille ou si elle est énervée et elle ne supporte pas sa fille. En fait, je vais dire que Onika a réagi mal parce qu'en fait, je peux pas dire qu'Onika elle réagit bien alors qu'elle a pleuré genre. Je suis obligé d'être raccord avec son sentiment en fait. Donc on va dire
réagit mal, il la supporte pas. Et j'ai peur. Arrêtez d'être dévergondé. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle se dispute! Parce que c'est une dévergondée, elle est enceinte à 17 ans en fait. Oh, elle se dispute à cause de leur grossesse. Attends, tu sais quoi? Parce que là, ça dégénère. On va appeler Karim, le père de l'enfant, pour qu'il assume ses choix. Parce que déjà, il est pas au courant qu'elle est enceinte. Et en fait, à cause de lui, la mère et la fille, ils se disputent en fait. Donc, non, tu vas assumer tes choix en fait. Tu vas assumer en fait. T'as mis le bébé dedans, tu vas assumer. Donc, appelle le Mississippi. Tu sais quoi? Laisse Onika, elle est énervée. Laisse-la. Va là-bas. Et va appeler Karim en fait. Mais attends aussi, elle est triste parce qu'elle est femme célibataire. Mais frère, Karim, il est là en fait. Karim, il va assumer son gosse en fait. Moi, je te le dis. T'inquiète pas, Mississippi. En fait, déjà le gosse, on va pas le garder. Moi, je pense qu'on va pas le garder parce que frère, j'ai tout ça fouetté. Mais Karim, tu vas assumer aujourd'hui en fait. T'es bête ou quoi? Vas-y, appelle-le. Voilà, il arrive, Karim. Voilà, il est fou, lui. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu peux pas enceinter les enfants des gens. Les 9 mois des gens. Et voilà en fait. Voilà, il est là. Ok, tu sais quoi? On va d'abord lui demander s'il veut des enfants. D'accord? C'est comment toi en fait? T'es prêt à être père ou pas? Oh, petit bisou, ils sont romantiques. Mais non, en fait, on s'en fout, Nika. Au Mississippi. Tu veux des enfants ou pas? Tu veux des gosses ou pas? T'es prêt ou pas? Il a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas très sûr à propos de ça. Il faut que j'y pense. Bah, en tout cas, tu vas y penser en fait. Parce que là, I'm pregnant. D'accord? Et ma mère m'a embrouillé à cause de toi. D'accord? Donc là, tu sais quoi? On va s'asseoir. On va s'asseoir un peu. Et on va parler. Sérieusement. Tu vas où en fait? J'ai pas fini. Oh, il crie sur Mississippi? Attends, il lui crie dessus et après il lui fait un bisou. Il est vraiment toxique. Eh, Mississippi, tu vas, je suis désolé, mais tu vois, le bébé là, poubelle en fait. Parce que tu peux avoir un bébé avec un mec comme ça en fait. D'accord? Donc, tu sais quoi? Tu vas demander à ta mère quand t'accompagnes à la clinique. Tu peux avoir ce chien comme père en fait. Enfin, c'est pas possible. Donc, non. Non, non. Voilà, demande-lui t'accompagner à la clinique parce qu'à un moment donné, ça suffit en fait. Karim, fuck Karim en fait. Karim, c'est un chao. Le mec, il est là, il enseigne des gens. Attends, demande-lui. Non, c'est mort le bébé. Tu vas pas garder le bébé. Parce qu'en fait, à un moment donné, ça suffit en fait. Non, c'est mort. Le bébé, c'est poubelle en fait. Je suis désolé. Tu peux avoir un bébé avec un mec qui t'insulte après, il te fait un bisou, ça va pas ou quoi? Voilà, arrête d'être triste. C'est pas grave. Tu t'es pas protégé. C'est pas grave, d'accord? Demande à ta mère. Maman, t'avais raison en fait. Je suis pas prêt pour être enceinte. Est-ce qu'on peut aller à la clinique, s'il te plaît? Tu peux m'accompagner? Parce que Karim, c'est un chien en fait. Karim, c'est un chien, c'est un charreau. Je veux pas d'enfant avec lui en fait. Donc, à la clinique, s'il te plaît. Let's go. J'ai ma carte vitale, j'ai ma mutuelle. On y va en fait. Ok, on y va. Regardez comment elle est triste. Il passe, oui, c'est une décision majeure que tu prends quand même là. Ok, on y va, let's go. Ils font quoi eux là? Ils s'amusent là pendant que les filles sont à la clinique, c'est une blague ou quoi? Mais tu te rappelles qu'il a enceinté ta sister en fait. Après toi aussi t'as failli enceinter sa soeur, mais bref, en fait, t'es pas censé rigoler avec lui. À cause de lui, Mississippi, elle est à la clinique. Oh, elle est revenue de la clinique. Comment tu te sens? Elle est dans les vapes. Bah oui, c'est sûr en fait. Il ou Karim ce chien. Vas-y, va lui annoncer que t'es parti à la clinique. Parce qu'il a pas voulu assumer le gosse qui t'a mis dans ton ventre. Karim, t'as pas voulu assumer le gosse. Bah, le gosse est à la poubelle en fait maintenant. Voilà, c'est ton choix. Le gosse est à la poubelle. Moi, je vais pas assumer un gosse comme ça avec toi en fait. Donc, il t'arrache en fait. Tu vois. T'as quoi à dire? Il est content. Il pleure? Mais c'est une blague ou quoi? C'est une blague? Il pleure? Tu pleures pourquoi en fait? On t'a demandé si tu vas assumer le gosse, tu m'as dit tu sais pas. Eh, le gosse c'est la poubelle en fait, moi j'ai pas le temps, je suis une bad bitch en fait. Donc, pourquoi tu pleures? Karim, tu me saoules en fait. En fait, c'est quoi Karim? On va faire un break. Parce que vous avez besoin d'un break là, parce qu'en fait tu saoules. Enfin, tu sais pas si tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas si tu veux un gosse, tu sais pas si tu veux pas de gosse. En fait, à un moment donné, Mississippi, elle a 17 ans en fait. Tu vois. Donc, elle va pas se bloquer avec un mec pendant 18 ans avec un enfant. Enfin, à vie, du coup. Non, en fait. Donc, c'est quoi? On va faire un break. On va gérer tes go. Elle va gérer ses gars. Et c'est bon en fait.
Voilà, fais un break. Franchement, là, je suis désolé, on va faire un break. Je suis désolé, Karim. Je sais que tu m'aimes, je sais que tout le monde m'aime en fait, the fuck. Mais on fait un break en fait, parce que tu me saoules. T'as pas assumé ton gosse, donc salut en fait. Chacun sa vie en fait, tu vois. Donc tu peux prendre tes affaires et sortir de mon domicile, parce que sinon j'appelle la police, d'accord? Ok, du coup ils sont en break. Oui, c'est l'été, Mississippi, c'est une bad bitch. Elle va twerker partout, m'en fous. En fait, c'est beau en fait. Le mec, elle est enceinte, il a pas assumé en fait, the fuck. Salut, il est pas, ok, vas-y, tu pars, salut en fait. Dégage, tu seras rien. T'es pas un vrai Rachel en fait. Et regardez, c'est trop bien. En fait, Mississippi là, elle a perdu l'habitude de. Parce qu'en fait, tellement elle était prise avec la grossesse et tout. Tu vois, avec Karim, etc. Avec sa mère qui l'écoute sur la grossesse et tout. En fait, depuis, elle a pas. Du coup, elle a perdu l'habitude de. Du coup, là, elle est sobre. C'est bien en fait, Mississippi. Et nouveau chapitre en fait. Une bad bitch. Pas de bébé. Pas de mec. Pas d'addiction. Bitch, yes en fait. En fait, vous savez, on va faire quoi? On va aller au strip club. On va aller au strip club parce que là, Mississippi, elle est mal. D'accord? Elle a besoin de twerker. Nika, pareil. Taiga, voilà, il a besoin de voir un peu de bocha. On y va. Donc, on va s'habiller et on va au strip club en fait. Let's get it pop. C'est quoi? On va aller au strip club comme ça et on va s'habiller là-bas. Ok? Ok, donc là, le strip club, il est ouvert. Attends, tu sais quoi? On va changer de tenue. On va changer de tenue pour les danseuses. Là, du coup, j'ai changé un peu les tenues. Du coup, j'ai juste mis un truc comme ça en mode, or bizarre, un enceinte doré et tout. De toute façon, on va changer de strip club bientôt. Là, en fait, on va le vendre. On va en acheter un nouveau. D'accord? Parce que voilà. On va acheter un plus beau et tout. Attends, tu sais quoi? Mississippi, et va changer ta wig parce que ta wig, elle m'énerve. Voilà, du coup, on va lui mettre cette wig là. Voilà, let's get it popping. Voilà, let's go. Taïga, tu sais quoi? On va parler à ta char. Parce qu'en fait. En fait, tu peux pas être une chouette comme ça. Tu peux pas venir avec un nouveau gosse comme ça. En fait, je sais pas si on peut lui demander c'est qui le père ou je sais pas c'est quoi, mais en fait, à un moment donné, il faut parler français. En fait, tu vois, c'est chouette. En fait, ça me choque en fait. Puis où ton gosse là? Oh, il lui fait un câlin. Il est vraiment amoureux d'elle en fait. Mais hey, c'est une chouette en fait. Calcule là pas. Elle t'a trompé, elle a ramené un gosse. En fait, c'est quoi, à un moment donné, c'est bon, Mississippi va défoncer Tasha. Parce qu'en fait, Tasha, elle peut pas sortir avec ton frère, le tromper, ramener un gosse, le faire passer pour le père. Au final, c'est pas le père. Hé, je vais te niquer ta race, en fait. Mississippi va la défoncer. Parce qu'en fait, elle peut pas manquer de respect à ton frère, en fait, comme ça, tu vois. Va l'insulter, après on verra ce qu'elle va dire. T'es vraiment une grosse chouette, en fait. T'as trompé mon frère, en fait, t'es sérieuse ou quoi? Mississippi, défonce. Défonce-la, Mississippi! Défonce-la! Tiens, je veux que tu. Bitch! C'est bien, Mississippi! C'est bien! Défonce-la, c'est chouin! Vas-y! Bitch! C'est bien, Mississippi. C'est bien, regardez, à boîte. C'est bien, tu l'as bien défoncé, cette chouin-là. En fait, elle ramène un gosse qu'on connaît pas. Et folle, elle. Pourquoi je t'envoie avec ta mère? C'est quoi? On va fermer le strip club. On va rentrer. Ça suffit, là, en fait. Mississippi, tu vas aller manger. Après, tu vas aller dormir un peu. Parce que voilà, t'as beaucoup vécu aujourd'hui. En fait, tu t'es battu avec la chouin. T'as jeté ton bébé. Donc. Voilà quoi, et t'as rompu, enfin c'est une grosse journée en fait, donc va te reposer en fait. Onika, toi tu fais quoi toi, Onika? Attends, elle est sous ma gueule ou quoi? Onika, elle est triste parce que il y a une grossesse qui a été interrompue. Mes frères, elle a interrompu parce que à cause de vous en fait. Parce que toi tu lui as crié dessus et Karim, ce chien il sert à rien en fait. Onika, franchement tu commences Attends, tu sais quoi? Onika, on va trouver un mec, on va aller sur une application de rencontre. On va la faire matcher. On va voir les beaux qu'il y a là-bas, en fait. Ok. Ils sont pas très jolis, hein, les gens là-bas. Ok, il y a que des moches, en fait. C'est quoi, Onika va draguer Hakim chaque fic, là. Après, on va le relooker. Si ça match. Non, attends, c'est quoi? Il est médecin. Ok, ça, c'est bien. Il a pas d'enfant. Ok. Il est ok à pouvoir avoir des enfants, mais frère, t'as pas d'enfants en fait. Onika, elle va plus accoucher en fait. Il a jamais été en couple. Ok.
Il est là pour du bon temps. Ok, et après il a mis quoi? Toi, moi, dans un lit chaud, pour une longue nuit, qu'est-ce que je peux demander de plus? Bitch. Attends, tu sais quoi? On va faire un date avec lui demain. D'accord? Là, Onika va aller dormir. Onika va aller dormir. On va faire un date avec lui demain. D'accord? Demain, on va s'habiller en mode cute et tsui, en sain. Et demain, elle va le capter. Tu vois? Va dormir. Taïga, tu fais quoi, toi? Va dormir. Regardez, Mississippi, elle est vraiment contente parce qu'elle a, elle, elle est sobre. C'est bien ma copine, c'est bien ma fille. Tu reviens de là. En fait, franchement, Mississippi, c'est vraiment une nouvelle page, en fait. Frère, ok, vas-y, y a pas de bébé, y a pas de mec, mais au moins, elle est sobre, c'est l'été en fait, hot girl summer. Vous avez 24 heures pour payer vos factures avant que l'eau soit coupée, mais il part bien en fait. Ils ont coupé l'électricité, mais MDR en fait. Frère, on n'est pas pauvre en fait. On va payer ça au réveil, bref, il dort du coup. Bonne nuit, the yoga qui n'est pas père, finalement. Bonne nuit, Mississippi, qui est parti à la clinique et qui a rompu. Bonne nuit, Onia, qui a insulté sa fille qui est enceinte alors qu'elle-même s'est dévergondée. Bonne nuit, la famille. Non mais c'est une blague, là Onika elle est réveillée, elle est encore triste parce que sa fille elle est partie à la clinique. Mais en fait à un moment donné, Onika c'est toi qui as voulu ça en fait. Elle fallait là, elle t'a dit que moi je suis enceinte, tu l'insultes. Elle est folle elle. Bon, tu sais quoi, va te préparer pour son date. Voilà du coup Onika elle est prête, regardez elle a mis une combinaison rose comme ça, elle est enceinte, voilà elle est enceinte, enceinte. Après elle a mis des petites bottes roses aussi, enceinte, parce que voilà rose bonbon. Après, elle a mis un petit sac comme ça, Chanel, enceinte, ses ongles et tout, enceinte. Après, elle a mis une nouvelle wig. Une wig curly, enceinte. Avec son petit make-up rose et tout, sa petite chaîne et tout, non. Tu vois, c'est une bad bitch en fait. Et voilà, du coup, elle va aller gérer des gens en fait. D'accord? Parce que voilà, même si une maman avec des ados, c'est vraiment une bad bitch en fait. Ok, vas-y, va sur Tinder. Propose-lui un date. Il n'y a pas d'électricité donc on peut pas. Non mais on le ghetto même fait. C'est quoi ce ghetto? C'est quoi ce ghetto en fait? Va payer l'électricité parce qu'en fait à un moment donné ils vont dire qu'on est pauvre en fait. Donc qu'on a de l'argent. D'accord? 3 500 de facture. Macron démission en fait. D'accord? Parce que c'est pas normal que 3 elle paye 3 500 euros de facture. Macron, c'est quoi le problème? Même les Sims ne sont pas épargnés en fait. Vas-y, propose le date. Du coup, il a dit quoi? Ah, ils vont en cours. Ok, vas-y, allez en cours. Ah, bah, ok. Avoir son date. Eux, ils vont à l'école. C'est parti, let's go. On va aller en date. Mais elle est où notre sister en fait? On va aller en date ici, au palais de Popo Miel. Let's go. Faut qu'on aille voir Mississippi aussi en fait. The fuck? Ok, du coup, elle a son date Tinder et tout. C'est lui. C'est quoi ce. C'est pas. Déjà, c'est une arnaque en fait. Déjà, c'est un catfish. C'est pas comme ça. Il était pas comme ça dans les photos en fait. Déjà, il était pas comme ça dans les photos. Non, mais c'est quoi ce date en fait là? Non, mais attends. La go, elle s'est dit, tu sais quoi, je vais aller sur Tinder, je vais chercher un gars sexy choco. Et les photos elles sont bien sexy choco et tout. T'arrives. Elle va le défoncer en fait. Mais comment ça, elle va voir son gars Tinder? Son gars Tinder ressemble à ça en fait. Mais que fait la police? Il a des bottes. Frère, t'as un turban avec des bottes. Et un slim. Et je vais te gifler en fait. Parce que là, Onika, elle avait des espoirs pour trouver son nouveau mari. Son nouveau husband. Parce que son husband, il est mort en fait. Et elle a besoin d'argent. Et c'est ça, c'était mort en fait. Onika va défoncer. Onika, gifle-le en fait. Ça va pas ou quoi? Va le gifler, Onika, en fait. T'es trop gars. Regarde comment t'es soukali. Regarde lui là. Vas-y, gifle-le, va le nique-le. Et toi, t'es malade ou quoi? Eh frère, je suis là, moi, je me mets soin soukali avec ma nouvelle tenue Shein. Et toi, t'es là, tu viens comme ça. Eh frère, je vais te niquer ta race, en fait. Je vais te niquer. Eh, vas-y, défonce-le. What's up, hoe? What's up, bitch? What's up, bitch?
Voilà, et Onika tape même les hommes en fait. Il est fou lui. Frère, Onika, elle vient en mode sa nouvelle wig et sa tenue Shein. T'es bête ou quoi, frère? Eh, vas-y, on rentre. Un date raté, un date pourri en fait. Ah, tu sais quoi, on va aller voir, Mississippi, sa sœur. Attends, on va aller chez sa sœur. Comment ça, elle est pas là? Comment ça, il est encore chez Mississippi, lui? Mais attends, c'est une blague ou quoi? Elle est où, Mississippi? Mais dis pas qu'elle a encore disparu, en fait. Mississippi, t'es où? Non, s'il vous plaît. Elle habite où, Mississippi? On a perdu Mississippi. Mississippi, je vois pas qu'elle est... Elle ne voit pas qu'elle est morte. Mais tu dis pas qu'elle est morte. Mais tu dis pas qu'elle est morte. Mississippi, elle habite où? Mais normalement, Mississippi, elle est censée habiter ici. Mais tu sais pas qu'on a perdu Mississippi. Je sais pas qu'on a perdu Mississippi. Dis-moi si Mississippi, elle est morte, en fait. Attends. Parce que pourquoi on la voit nulle part, frère? Mais c'est trop bizarre, normalement, elle est dans son appartement. Parce qu'on on l'a ressuscité là-bas. Ah, pas qu'elle est, elle a changé de ville. Eh, vas-y, on arrête là. Moi, ça me saoule, en fait. J'ai chaud. Mais en fait, là, ça va être mission rescousse pour Mississippi. On va la retrouver, on sait pas où elle est, cette fille. Ça va être mission gars pour Onika. Ça va être mission meuf pour Taiga. Ça va être mission chouin pour Mississippi Junior. Parce que voilà, c'est l'été. La saison 2 s'annonce très chargée. Enfin bref, j'espère que ce premier épisode vous a plu. C'était vraiment un petit épisode vraiment léger. Genre vraiment pour faire la transition entre la saison 1 et la saison 2. On commence léger mais très chargé, d'accord? Ça instaure les bases de la saison 2, d'accord? Il y aura aussi plein de nouveaux personnages au prochain épisode. Donc soyez là, ok? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que je dois faire avec cette famille de dévagondés. Donc dites-moi tout en commentaire, ok? Abonnez-vous à la chaîne, ok? Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous sur Instagram. Abonnez-vous sur TikTok. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 de la saison 2 des Sims du Ghetto.